On ne travaille pas, même à là, tu vois, il n'y a pas de gaz. Depuis 6 ans, elle est sortie, on a assis, il n'y a pas de gaz. Est-ce que vous arrivez à vous procurer ce gaz-là? Non, je suis en train de chercher gaz, mais ça fait 3 jours aujourd'hui. Je ne gagne pas gaz, je ne sais pas à quoi. Ok, et le prix auquel vous achetez d'habitude, est-ce que c'est le même prix que Non, maintenant? hein. Ce n'est pas le même prix. Hein. Le gaz était déjà à 2200. Maintenant, c'est à 2500. C'est pas facile à gagner le gaz. On cherche, mais on ne gagne pas. Quand on va, on ne gagne pas. On nous dit 2500. On prend gaz là. On prend, ça finit vite, c'est pas bien rempli. Faire des gaz là, on souffre. On souffre. Avant, tu chargeais ma bouteille de gaz B6. Moi, j'ai 2500. Alors, habituellement, il charge 2200. Il n'y a pas de raison, on m'a pas expliqué quelque chose. On m'a dit c'est 2500. Je me dis pas 2500. En tant que revendeur, est-ce que vous subissez aussi un manque au niveau des gaz? Ouais, beaucoup même. Il peut faire une semaine où hein, ils ne viennent pas. Quand on les appelle, quand ils disent non, il n'y a pas de gaz. Pourtant, il y a des fois même, ils partent ici. Mais quand on les demande, ils disent non, il n'y a pas de gaz. Pas de gaz. Pourtant, nous, on les voit sans donner gaz à autre personne. Est-ce que c'est ce problème-là qui est à l'origine de l'augmentation des prix, justement, de ces gaz-là? Ouais, c'est ça même. Mais est-ce que vous augmentez les prix aussi, comme les autres? Non, pour nous, c'est toujours 2200. Même quand il en vient, et même quand on est 2200, et même c'est étonné. D'habitude, dans les autres coins, il faisait à 3000, 2500, 2300. Maintenant, on faisait à toujours 2200. Des fois, même, il dit, nous, on aura augmenté, on aura fait à 2300. On dit non. Il y a plus de 300 bouteilles dedans qui sont vides même. Mais c'est là quoi, non, on ne travaille pas. Même à là, tu vois, il n'y a pas de gaz. Depuis 6 ans, elle est sortie, on a assis, il n'y a pas de gaz. Bon, actuellement, les gaz là, vraiment, c'est difficile. Le jour qu'on est payé pour chercher le gaz, on dit 3 000. 3 000. On achète vraiment, les prix sont trop augmentés. On ne peut pas. Est-ce qu'il y a manque de gaz dans les quartiers? Si, il y a manqué le gaz. Je pense que le gaz vient, 5 bidons, 6 bidons, 8 bidons, ça finit un coup. Bon, les jeunes aussi ont fait ça à 2000, 3000. 3 millions. Quand on dit qu'il faut diminuer, on ne vit pas. Déjà, les femmes souffrent. On souffre beaucoup, 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 vraiment. Le prix du gaz a été augmenté, mais ça ne nous arrange pas vu l'acheter de la vie, tout et tout. Donc, vraiment, ça ne nous arrange pas. On souhaite que maintenant, vraiment, on souhaite que le prix baisse. Le gaz était à 1500, 1700. Jusqu'à maintenant, le gaz monte à 2500. Donc, vraiment, il y a une grande différence. Ça ne nous arrange pas, franchement, c'est cher. Est-ce que vous avez des difficultés à vous procurer le gaz? Bon, maintenant si, parce que avant on en trouvait. Le fait-tout qui est B6, c'était à 2200. Maintenant, le B12, c'était à 5200. Maintenant, on se retrouve à 6000. Vraiment, ça ne nous arrange pas. On demande au gouvernement d'avoir pitié des pauvres.